Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Echo of Wisdom. J'ai totalement oublié de compter, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. La dernière fois, nous avons prouvé notre valeur et sauvé la véritable facette qui s'était fait engloutir, mais malheureusement, une impostrice a pris sa place. Du coup, nous allons enfin pouvoir aller dans ce qui sort normalement est le deuxième donjon, parce que, bah, comme j'ai dit, le désert est beaucoup plus proche que les auras. Mais pour moi, c'est mon troisième donjon. Bien que théoriquement, on va dire 3,5, parce que je rappelle qu'on avait déjà fait une petite annexe qui ressemblait un peu vite fait à un donjon. Ouais, bon, après, ouais, c'est plus de l'annexe que l'annexe d'un donjon. Alors, on va t'expliquer, bonjour, qui bloque la caisse de ça. Tu vas me faire attaquer par un paquet de monstres et je ne vais pas plus m'aventurer à faire. Tu vas retirer le bouchon, ça me s'écoulera et ça le verra. Bien. Donc il y a un bouchon à l'intérieur et si on le retire, on pourra se rendre dans la salle de feu. Allons-y, Zelda. Tu vas t'en sortir ici? Ok. Bon bah si tu t'en sors, tant pis pour toi. Bien sûr, YouTube, je suis toujours sur Twitch. Donc si tu veux suivre les lives, tu peux venir. Oui. Franchement, moi je dormirais pas aussi sereinement avec un lit à moitié dans le vide. Ah, j'ai mis. Okay. Ça, on a vu tout à l'heure. On sait par là. Alors, oh. Je tape. On est d'accord. Ok. Ouf. Ah mais attends. Fréquence d'apparition de rubis réduit les dégâts subis. Vas-y, je vais prendre... Ah non, c'est ça. Ah voilà, les matériaux. Voilà, on va prendre les matériaux. Oh. Ah, ils vont me très chouette sur moi. Après, normalement... Oh, ça fait mal. Ah, c'est le guide. Ah, c'est une guide boost. Ah, j'ai toujours appelé ça le momie. Attends, si j'appuie normalement. Voilà, là on l'a brûlé. Est-ce que ça devient un squelette? Ah non, c'est la tuju. Okay. Parce que dans Link to the Past et Link Between Worlds, en fait, quand tu brûles une momie normalement, elle devient un squelette. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'on va faire encore un squelette. Et donc, un nouvel aiguille, prendre un trophée de chasse, hein, tout simplement. Mais disons. Il est trop nickel. Oh! Oh!
Attends, ça se tue. Ah bon. Alors, c'est pas lui qui meurt. Tirer sur le coffre et tirer en fait. Ah. Même si je vous apprends pas, c'est plus. Bon, d'abord je dois virer ça. Ok. Et là maintenant. Ah, il a le non, bon. Je check à gauche, c'est bien.
Ah oui, bon, bien sûr. Direction le troisième donjon, let's go! Ah là là, c'est pas votre possible. J'ai même pas vu qu'il y avait Link parce que j'ai pas fallu rien le faire. Oh là là. Et bon là j'en ai encore plus détaillé pour ce miniature. Voilà, la fameuse balle volante pour laquelle ça marche. C'est quand j'ai vu qu'elle brillait que je me suis dit ah tiens elle brille, je vais... Ah, du coup je vais capturer. Ça fait zizir. Alors... serpent. Okay. Je sais pas à quoi ça me sert, mais... Ah! Ah! Niveau 2! Oh oui, je peux te faire une... Ouais bon c'est pas ouf. J'espère. Oh c'est trop bien en fait. L'écho de la bite. Merde.
Attends, mais du coup, oh, un combo effroi en plus. C'est surpuissant. Oh, j'ai hâte d'en avoir ça. Même 8 en vrai. Avec le mauvais niveau 3. Oh, ça va faire des ravages, mon dieu. Ah, oh. Ah non, pas besoin. Parce que t'es pas censé avoir les bombes si t'as pas fait le trop tard. Donc y'a pas de système de bombes ici. Oh saloperie. Oh non mais... J'ai bien fait de l'étonner. Putain de saloperie, je le déteste. Je le déteste. Je suis obligé d'attendre parce que sinon il me met un hit, je dois. Tant pis. Là dans une région t'as pas encore. Hein. Bah dans ce cas là t'es forcément en haut à gauche. Parce que j'ai quasiment tout vu. De faire une battle royale de mode en fait. En mode qui sera le but. Yep.
Statut de chat. Oh, mais statut de chat. Mais oui, c'est ces deux-là, en fait. Ah, j'ai très envie de me TP là-bas. Ah, mais j'ai pas la... le boss qui... Dès que j'ai la clé de boss, là on va le faire. Ah oui, mais attends, mais du coup, je viens de réaliser un truc. Il n'y a pas de deux. Oh, on va voir l'arc. Trop bien. Oh,
Oh, mais c'est pas ça. Par contre, j'ai plus ce moyen. Et c'est marrant parce que j'étais en train de me faire la question. Putain, on a pas de boss. Ah, attendez, mais du coup, c'est quoi le dernier boss du temple de Jabul? Je sais plus. Oh, je lui mets deux claques aux fesses là, en mode pompon. Allez, casse-toi. Tu bats les gars. Oh, mais du coup, à un moment donné, on aura les bombes, les gars. Bon, ça sert à rien parce qu'on a en soi théoriquement on a déjà eu. Ah. 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 Et c'est que je t'avais tué. Ah, yes. Oh, c'est trop bien, je suis trop heureux. C'est comme avec ça, il y a des gens qui... On sait qu'il y a une petite espèce dans le monde du monde et qu'un impulsion t'a la repasser lui aussi. Mais je pense que si on referme le fait, on pourra le sauver. Non, lui qui n'est pas là, non. Ça veut dire l'arc de puissance. En mode DPI, c'est appuyé sur X. Je suis un arc. Ah, c'est une autre. Oh, faut que je sois en mode DPI. Oh, je suis défou. Hein? D'accord, ok, je me démarre. Ah non, non, non. Ouais, j'ai ça en fait. Le grouilleur. Ah, les petits mobs de merde. Ça marche. Ah, ouais, ça va. Ah, ils veulent vraiment pas qu'on fasse des allers-retours, hein. C'est trop mieux. Ah non, c'est activé en permanence. Ouais, c'est bon. Ah. Ah, peut-être que c'est des autres. Très très sympa. Oh, c'était plus. Je vais me dire, oh,
Qu'est-ce qu'on veut la première boule? Attendez, j'ai une idée. Est-ce que ça marche comme dans Ocarina of Time? Ça marche pas comme Ocarina, ou alors le caillou manque. Non, ça marche pas. Ah, je m'attendais. Je pensais que je pouvais tirer une flèche et du coup ça allait faire une flèche de feu. Mais... attendez, j'ai peut-être une idée. On va tester ça. Voilà. Oh. Un indice. Il repose ses ailes en haut. Son regard est perçant et son bec robuste. Le roi cuirassé. Dit comme ça, on dirait le roi cuirassé, mais ça peut être aussi avoir une espèce de vautou. Ce qui serait pas déconnant dans un désert. En fait. Je pense qu'on va aller là. Alors attends, il faut qu'on. Je fasse confondre les deux trucs. Je vais donc prendre ça. Chaque animal dans le futur, tout le monde possède de grandes défenses. Attendez. Alors, du coup, l'indice précédent que j'avais, c'est forcément autre chose. Ce hockey, j'ai. Ouais, il me manque un animal. Il me manque un truc, parce que normalement. Enfin, d'après l'autre indice que j'avais eu, c'est un oiseau. Sauf que je mets pas les oiseaux. Ah. Ah, attendez. Comment. Dans quel sens j'en peux. Là, il y a un truc. Ah, je l'ai pas pris. L'esprit. Attends. Non, c'est pas. C'est vraiment cool. Alors. Alors on a les 300 rubis pour acheter un nouvel accessoire. Mais je pense que bah, c'est ce qu'on va faire. Ou attendez. Il y a des choses là à droite. Non. Ah bah peut-être que la statue n'est pas. Ça va être directement aller dans le coup. Attends.
Mais j'ai une petite préférée. Alors, je sais pas. Déjà, le premier, je me dis. Je suis désolé. Bon, du coup, j'ai une petite préférée pour le deuxième coup. Par contre, j'ai pas oublié tous les pots. Bon, attends. On va capturer. On est parti pour le boss. Top prix. Alors par contre, c'est pas que tu peux te manger. Non, il y en a de charger.
Ah, c'est toujours on prend tout pire ici. Attends. Après ça, ça me soigne pas en soi. Ah, voilà, j'ai le meilleur hit et du coup c'est le meilleur deuxième fin. Ok. Ah. Ah. Chiant. Putain, et en vrai, le boss, je trouve classe. Par contre, franchement, c'est une vidéo, il est stylé. Franchement, le client, c'est peut-être un peu plus. Ça me trouble. Ah. Oh oui. Merde. Enfin, le boss. Mais vraiment claté en fait. Pas de difficulté, tout d'abord. Et voilà, troisième donjon défi. Hop là, niveau 4, let's go. Un petit triangle en plus. Là que je peux faire plus de choses qu'avant. Oh! Oh, c'est même mieux! Oh, c'est même mieux en fait! Le nombre de triangles dont vous avez besoin pour créer certains échos ont diminué. Bon, c'est que des échos de bien, mais ça, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Tiens, il vous a remis 100 fragments. Oh. J'ai plus peur les mêmes quand on me fermait la faille. Monsieur Sauf fait capturer par ce monde. Il n'aurait jamais été jamais arrivé tel avant. Et maintenant que tu as vaincu le monde, ils ont pu se remettre au travail. Il n'aura plus rien à faire dans ce monde. Ah oh, pardon. Ah, pardon. Et le septième cœur, c'est fait plaisir. Tu retournes dans le monde, oui. Alors, allons-y. J'aimerais bien faire un peu de quête annexe pour la prochaine fois. Là. Parce que je pense que vu qu'on a fini les deux donjons qu'on était censé faire, normalement on a accès à d'autres zones et j'aimerais les explorer pour trouver des cartes de cœur, trouver des flacons. Zelda, toutes les feuilles du désert ont disparu. Pas seulement celle du surfeur, tu as enfin réussi Zelda. Tout le monde a accepté d'attendre ton retour. Allons-y ensemble.
fais ton lit sur la fin des fans, c'est pas tout. Je dis ça et après tu vas encore venir pleurer parce que je suis trop de larmes. Et alors l'ombre d'une guerrière surgit de terre. C'est l'heure de l'entraînement, il y a bien pas l'heure. Allons, c'est un jour de battle, il faut expandre que ce soit un jugement aujourd'hui. On est très bonne. C'est vrai. Zelda, laisse-moi te remercier encore. Sans toi, cela n'aurait pas été possible. Moi aussi, je te remercie du fond du cœur. C'est toi qui nous as toutes poussé à agir, Zelda. Zelda, toi aussi, je te dois de l'amitié. À condition de ton amour, tu peux réduire les deux à celle de l'autre. Merde. Je suis fier de toi, je crois même que tu veux avec cette chair. Quoi? Allez, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais ça me rend très heureux. Zelda, j'imagine que tu te remets en route pour aller refaire une toute forme. Je prie pour ton succès. Zelda, nous avons enfermé le fait du désir de Yamdo et des îles de Jaffa. Nous n'avons retrouvé ni ton père, ni Link. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on allait raconter à Lori et aux autres tout ce qui s'est passé chez la maman? Eh ben c'est parfait, c'est exactement ça que je voulais faire. Normalement, j'aurais coupé l'épisode, mais... Allez, j'avais envie d'aller checker l'épée, donc voilà, on va un petit peu gratouiller YouTube, allez. C'est cadeau. Ah oui, 47 minutes, hein. Ah oui, mes cochons... Ah oui, bon, c'est cadeau. Hein. Effectivement. Allez. Oh, pas ça, Zelda. Vous êtes trop vieux. Vous avez l'air de voir un petit peu. Je vois, vous avez enfermé des failles dans plusieurs régions. Vous n'avez encore retrouvé du roi, ni vie, ni la voix d'origine. Bref, si vous l'avez changé, voilà. petit village. Grâce aux exploits, votre altesse, les grandes failles de plusieurs régions, il ne reste plus que celle du château de Dieu. Celle qui vous a engloutie, vous deux, et le roi. Je pense que celle que j'ai payée sans doute encore tout le temps difficile. Et que pendant ce temps-là, les enfanteurs ne font qu'à leur tête au chapeau. Général Dix. Votre Altesse, Seigneur le Bruit, Ministre Céleste. En tant que général du Royaume du Rhône, je ne peux pas rester ici, un ordre. Et que comptez-vous faire? Agir, bien évidemment. Le monde au château est révélé au grand jour à la vraie nature sainte. Attendez, Général Dix, oh, viens, corrige. Comment là de finir notre conversation maintenant? On va dire que c'est la nature plus vite que vous dites toujours pas retrouver une. J'espère qu'il est sain et fort. Je vais aller au château du Hall aussi. Les apporteurs vous donneront des autres pour après votre. Soyez très prudent. Attends. Vous le renforcez. Allez. Alors, renforcez-le. Ah, du coup, je peux améliorer les deux, ça c'est cool. Nice. Lorsque vous êtes en mode épée, ça peut suffire pour protéger, maintenant X pour charger votre tir, relâchez pour déclencher 3 flèches. Est-ce que vous voulez renforcer? Yeah, niveau 3, ça fait plaisir. Ah oui, vous renforcez. Ah bah je peux plus rien. Voilà. Et ben c'est parfait, voilà. Et ben en tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. La prochaine fois, on va... J'ai pas envie d'aller au château. Voilà, je te le dis, j'ai pas envie d'aller au château. On a déjà visité le château. Moi j'ai envie d'explorer un peu l'interne. Ah non. Je pensais que j'avais exploré cette partie-là de la région, mais pas du tout. Ah, bah soit on ira à gauche, je fais les glovies. Parce que ça c'est le volcan d'Orbi. Soit on va en bas à droite. Je ne sais pas, on verra, voilà. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, je te fais la bise, et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.